Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compilation, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu. Donne-moi le nom d'un quartier qui a un rapport avec le nom de Franck Kessié. Bon, je connais une cité qui s'appelle Kessié. Attends, cité Kessié là? Voilà. Thank you. Il a trouvé. Oui, il s'est passé quoi là-bas? Franck Kessié a acheté ça pour donner ça à Yamongo comme cadeau d'anniversaire. Hein? Tout le quartier? Ah oh. Tu vois la Coupe d'Afrique actuellement? J'étais avec la Coupe d'Afrique la dernière fois à Boaké, j'ai soulevé comme ça. Ouais. Sinon les gars, est-ce que vous savez que Drogba il est jumeau? Dites Drogba que moi il connaît là. Il est jumeau. D'ailleurs. Attends, il croit pas. C'est pas normal. Cousin, dis-lui. Ton jumeau s'appelle Tetekeige Drogba. On vous donne les vraies informations, vous discutez. C'est plus fort que vous. Et puis l'information là, ça reste entre nous, les gars. On était deux seulement dans le monde entier à savoir si les jumeaux ou pas. C'est une information très capitale. Les gars, ça c'est secret d'État. Voilà. On doit rester pour gré. Les lots, c'est la vie. Est-ce que même le nouveau président sénégalais... Allah Kibaro. D'accord. Laisse la politique aux politiciens. Ah, ok, d'accord. Actuellement, là où je vous parle, je suis décentralisé. Ah bon? Ah bon? Le ministre Begré Mambé. Uh-huh. Vous le connaissez très bien. Uh-huh. Avant d'être ministre, il était le gouverneur. Super. Ah ouais, un gouverneur trop fort. Tout a bien dans sa main. Ça, c'est clair. Mais il a fait quoi? Il a donné la ville de Benjéville à son papa comme cadeau. Jésus. Attends, je suis dans quoi? La folie des grandeurs. Non, mais les habitants maintenant, ils vont partir où? C'est pitiable. Mon petit, c'est ce qu'on appelle les hôtes rurales. Qui? Ah, Dieu, non. Mais cousin, toi tu vis où maintenant? Attends, mais je suis Mabio. Attends, Mabio, la femme de Jordan, le TikToker là. Ah, aïe, oh. Ils sont plus ensemble, ils sont plus ensemble. Donc cousin, maintenant c'est toi qui gères Mabio. Ah, ça reste au gris. Ah, ça va, ça va. Mais j'ai dit. Soulier d'or de Drogba. Hein? En 84, lorsqu'il était à Guingamp. Attends, c'est soulier d'or de Drogba qu'elle a. Ah non, c'est lourd, ça pèse. Chata. Le petit est bon. Je vais rire dans l'eau. Moi, je suis à l'entrée parce que je dois composer deux jours là. Vraiment, ouais, je vais partir. J'ai un baptême ce soir à 20h. Attends, mon petit. Yeah. Je me rappelle en 92, le bac. Que l'enseignant commence à dicter. De cette même rhétorique déclamatoire. Les enfants gangrenaient lorsqu'ils partaient. Partis. Je gâtais même. Partais. D-E-E-N-T. D-E-E-N-T. Pourquoi? Je remercie ta question. Pourquoi? Parce qu'il faut remercier la question qui vient de passer. Pourquoi? Parce que les enfants, tu sais pas si c'est forme de cette façon. Là, il a placé le CO2. Tu n'as pas vu le CO2 venir. Ça, c'est un complément. Si tu commences à être mieux. Professeur! Oh my god. Il se tourne dans mon tête. Actuellement, où tu restes, c'est loin du monde. Non. Ça, on appelle ça futur proche. Wonderful. Y'a quoi? Il me doit de grâce. Jésus! Mais il te doit. Mais tu cours pourquoi? Il est en train de me forcer à me donner l'argent aujourd'hui. Non, non, non. Oh, je connais mon programme. Elle est lui aussi. Mais c'est pas pourquoi les jamais sont comme ça. Fofi! Ça là, on dirait qu'ils ont fabriqué ça aujourd'hui. Hein. Il faut debout! Mais où vont-ils? Les singes sales se mangent à famille. C'est tout. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Inscrivez-vous sur l'application OneXBet avec mon code promo Mansour224 et bénéficiez de 200% de bonus sur vos premiers rechargements. C'est tous. C'est tous. Keda. Stop. Wabombo trois fois. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. Quand ton homme entend de te baiser, ouvre-toi. Tu es jeune comme ça, puis ton bain est gros comme ça. C'est pourquoi? Il fait chaud et allumé votre tête, quoi. Et quoi? C'est 10 000, 2 coups, 20 000. Puis les mal doux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Celle-là m'envoie vocal encore. Attends, écoutez. Hé, hey, ton bébé, tu m'as fait ça, hein. Mais je t'ai fait quoi? Depuis là, tu mets ta femme en statut. Je suis couché ici, tu me dis faut pas y sortir. Toi, tu es marié. Moi, je suis pas marié. Mais tu m'empêches de sortir. Et puis, c'est toi encore, tu mets ta femme en statut. C'est pour me tuer, non? C'est pour me tuer, que? En tout cas, tu as bien fait. Mais je dis, tes tarifs là coûtent combien? Si c'est dormi là, c'est dormi que 30 000 francs. Parti. Donc si tu veux faire un coup, je vais venir repartir. Et quoi? C'est 10 000, 2 coups, 20 000. Donc c'est ça, tu comprends? Oui, je comprends, mais est pour sucer là. Sucer correctement, 15 000, sans baiser.
Fais enfant, 1 million. Fais un an chez la personne, 2 millions. Ok, Afoué, mais tu sais qu'ils n'ont pas souhaité bonne année, non? Bébé, faut m'excuser. J'ai oublié de te souhaiter bonne année. Mais il me porte pas bien. À cause de ça. Ah! Aïe! Oh, vraiment bonne année. Santé. Tout est gâté. Tout ce qui est beau. Ah, dis-moi même. Ah, je suis à l'hôpital. Eh. Bisous, bébé. Mais t'es toujours à Babi ici, non? Ah oh, oui, je suis là-haut. Je suis là-haut. Il est parti où ça? Je pensais que tu n'étais plus ici. Il est parti où ça? Si t'es là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis là. C'est pour être comme un petit moment, si c'est. Ça passe, il n'y a rien. Je suis là, pardon. Ok. Mais je dis, c'est quel bruit entend comme ça là? Quel bruit? T'attends quoi? J'entends bruit façon là. C'est pas bruit. C'est pas bruit, mais c'est quoi? Le ventilateur. Il fait chaud et allumé le ventilateur quoi. Femme! Ok, faut éteindre le ventilateur là. Attends. Non, faut pas qu'il allume le ventilateur quoi. C'est pas qu'il fait chaud. Faut pas qu'il allume le ventilateur. Donc tu me trompes, je ne t'ai pas dit que non, je ne veux pas te voir avec un autre homme. Y'a quoi? Non, si moi je sors toi là, y'a plus sorti avec quelqu'un d'autre après quoi. Tu es jeune comme ça, puis ton bain est gros comme ça, c'est pourquoi? Y'a quoi? Tu veux me tuer? Y'a comment c'est long? Tu allais te laver, mais tu es rentré dans la douche, même serviette, tu as attaché la même, ça a dessiné. Y'a quoi? Pardon, je suis encore jeune. Je suis encore très jeune, il n'a pas encore fait ma vie. Hein? Faut aller gâter ailleurs. Il a fini de parler. Hey! Ok, pas de problème. Mais à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler, il ne faut plus me crier encore. Ouais. Il a compris ce que tu as dit, hein. Mais c'est que tu as fait tomber là-haut. C'est ma grand-mère qui a quitté dans sa tombe pour venir soulever ça. Ça, c'est ton problème, hein. Mais c'est mon grand-père qui est mort des années là. C'est lui qui a venu coudre ça pour me donner. C'est gâté, hein. Quand tu parles là, dans ta tête là-bas, là, tu es seul ou bien il y a quelqu'un qui loue maison pour te donner. Jésus! Imbécile, faut pas venir terminer. Hey! Faut me dire que c'est plein fille. Imbécile. J'ai payé ça. Hein? J'ai payé ça à deux. Hey! Mais tu vas faire quoi avec? Je vais faire quelque chose avec. Hein? Toi-même, t'es trop belle, hein? Combien coûte tes tarifs? Moi, mon tarif là, c'est pas trop. Si tu veux manger, c'est 1 million. Hey! Tu veux coûter 1 million 500. Et pour la paix? Si tu veux la paix, c'est 300 000. Si tu veux sucer là, ça c'est profond. J'ai pris Papa Caviar. Fontaine! Tu as pris qui? J'ai pris Papa Caviar. C'était quand? C'était samedi. On est quoi? On est lundi? Parce que c'était avant-hier. J'ai fini ma journée. J'ai commencé à boire du champagne. Hein? Hein? Oui. Donc, ça dit que là, j'étais dans un level. Ça dit que quand il a pris même Papa Caviar. Mm-hmm. Et Yubu Yarasa. Mélange ça. Hey! Tu as fait ça comment? Faut voir sur le monsieur. Kulikata, kulikata, kulikata. On dirait un cheval. Je suis sur le monsieur comme ça. Kulikata. C'est que tu es faute, hein? Il me connaît, le monsieur là. Quand ton homme entend de te baiser, ouvre-toi. Pourquoi tu sens ce qu'il sont en train de te pénétrer? Hey! Ouvre-toi bien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là. Non, je n'ai pas ça, tu m'as insulté samedi. Est-ce que Pine comprend? Pine n'est pas lié à le corps. Ouvre ton corps, ils vont te baiser. Tout est gâté. On dit Pine là n'est pas doux. Il qui a dit ça, Pine a c'est tout. Il a pris une bouche de léger, il dit Pine n'est pas doux. Ah, c'est faux. Mon copine c'est yes, doux. Pine a couvert, Pine a goûté Pine. Pine est mal doux. Eh.
Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Moi, j'ai fait les analyses dans ce monde et j'ai fini par comprendre que... Comprendre que quoi? Rien n'est plus doux que le cesse. Bon, produisez. Ah bon? Le cesse, c'est mal doux. Laissons l'hypocrisie de côté. On va tout, Nyakami. Milou, allons. Faut partager la vidéo. Ok. Ciao. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les Togolais avaient raison. Les Togolais avaient raison. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? La coach à mon chic s'est pas préparée. Ah, ma coach, aujourd'hui là, c'est sur toi. Hein? Hein? Elle a incendié notre sauce Djoumbé. Ma coach, on dit que tu as gâté Djoumbé. Qui a dit ça? Tout le monde. Vous n'êtes pas bien informé, j'ai l'impression. C'est impossible, on est toujours bien informé. Ah oui? Parce qu'on est... Congo. Devise. Union, discipline, travail, papatoya. On continue. Elle a loupé, j'ai aimé. D'abord, on va regarder cette sauce de près. Aujourd'hui, on va faire une spécialité ivoirienne. Ça s'appelle la sauce Djoumbé. De l'huile rouge pour donner une très belle couleur à la sauce et aussi permettre à ce qu'on digère bien. Ah, mais il y a beaucoup d'huile rouge. Je t'ai dit. Tu as incendié la sauce ivoirienne. Ah, coach, si c'est pour cuisiner les choses comme ça, faut revenir faire le caviar. Pourquoi vous êtes comme ça même? Oui. Tu ne peux pas faire Djoumbé et puis ça va faire comme si c'était quoi que... Adama. Montre-moi la finalité. Avec tous les animaux dedans. Bien garni, hein. La sauce dans laquelle on a mis toutes les légumes de la planète. Bon, peut-être que c'est sauce Djoumbé révisitée. Comment? C'est sauce huile rouge. C'est pas sauce Djoumbé. En tout cas, moi aussi, il y a eu hier manger. Mais quand tu vas manger, le lendemain, tu chies comme un cochon. C'est diarrhée. Ah, tonton. Ce que coach Amon Chic a fait. Ce n'est pas bon. Une belle sauce comme ça. Je vous dis, c'est belle. Hein? Mais quand tu goûtes, Adama, pop. Vous la même là, vous êtes trop sérieux. Ah. Vous croyez que coach Amon Chic ne sait pas cuisiner sauce Djoumbé? Oui, elle ne s'est pas préparée. Donc selon vous, elle ne s'est pas préparée? Non. Mais pourquoi ils font ça? Sauce de son pays, la Côte d'Ivoire. Elle fait exprès. Comment ça? Elle fait ça même là, pour que vous parlez d'elle. C'est que je suis très intelligente. Puisque vous dites que non, elle ne sait pas cuisiner, non. Elle va vous montrer maintenant que sauce de son propre pays, la Côte d'Ivoire, elle ne maîtrise pas. Pas faux, hein. Depuis qu'on cuisine sauce Djoumbé, à poivre, l'ail, gingembre, vous aussi, on appelle ça aimer le buzz. C'est qu'elle nous a eu. Très bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit que vous aimez les bêtises. Elle vous a servi ça bien même. Elle dit, quand tu as mon soutien jusqu'à l'ascara. Bon, on va laisser cette histoire de nourriture là. On laisse cette histoire. Voilà, les musulmans sont carrés malheur. On dit à Karim, toi tu viens manger devant les gens. Tu fais des choses à ta guise. Et... Ah. Je suis parti. J'espère que vous appréciez cette compilation. Si oui, likez, commentez et abonnez-vous. Aïe, faut te calmer, elle va te piquer, ça va finir. Oui. Moussa, faut te calmer. Hein. Oui. Hein? Mais attends, c'est quel genre de garçon ça là? Oui. Je vais rire dans l'eau. Oui. Moussa, ça reste un peu, faut te calmer, elle va finir. Oui. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Oui. Moussa, c'est l'homme. Hein. Attends, c'est quoi ça là encore? Hey, on peut faire ça. Ah, mais il a déjà fait ça. Donc tout ça pour ça. Attends, la fille là, c'est quoi son problème? 2 jours sans penser à moi. Mon frère. Oui. Si tu veux qu'une fille pense à toi toute une nuit. Je fais comment? C'est simple. Entre 21h et 21h30, tu l'appelles. Allô bébé, comment tu vas? Est-ce que tu as reçu le dépôt que j'étais? D'accord, donc je vais dire, allô bébé, est-ce que tu as reçu le dépôt que j'étais? Ne termine pas ta phrase. Tu coupes l'appel. Je coupe l'appel. Et après? Tu éteins ton téléphone.
Aïe, mais comment ça? Le téléphone est éteint. Tien n'a pas cherché le numéro de tes parents la nuit là pour t'appeler. Faut changer mon nom. Bon, maintenant comme on a eu le secret pour manquer à une femme, vous la coach, dites-nous, quel conseil vous pouvez nous donner pour plaire à une femme? Moi là, je suis fatiguée de vous donner conseil, vous les hommes là, je suis fatiguée de vous donner conseil. Oh, laisse affaire de tu es fatiguée, tu dis quoi même? Je dis que pour plaire à une femme, c'est simple, c'est pas compliqué. Ok, on y va, la première des choses c'est... Un homme, pour plaire à une femme de un, il faut que tu sentes bon. Ok, sentir bon, mais coach, les parfums là c'est cher hein? T'as pas oublié d'aller payer les parfums cher, mais au moins un parfum qui sent bon, il y en a là vraiment hauteur là. Ça peut fatiguer. Bon, et la deuxième des choses? Il faut porter des habits propres, de beaux vêtements. T'es pas obligé de porter les habits de marque. Ah bon? Donc pas besoin des habits de marque? Non, mais au moins ton habit n'a qu'à être propre. Tout le monde faut être propre. C'est noté. La femme aime la propreté. Bon, la coach, pour te rapituler. Que quoi? Hé, excusez-moi. Pour récapituler, vous avez dit quoi? Il faut que vous sentez bon, il faut que vous habillez bien, il faut que... Si tu veux, faut pas avoir l'argent, femme va t'aimer. Coach, vous avez dit quoi? Femme va te quoi? Si tu veux, faut pas avoir l'argent. Femme va t'aimer. La coach, on n'a pas le temps. Hein. Faut parler vite. Attends, il faut que vous sentez bon. Faut sentir bon. Ça là, c'est noté ici, la coach. Il faut bien t'habiller. Il faut être propre. Yeah, yeah. La coach, même ça là, c'est noté ici. Maintenant, ce qu'on n'a pas compris, c'est côté argent là. Vous avez dit quoi? Si tu veux, faut pas avoir l'argent. Ça là, c'est pas vrai, d'être. Aïe, par comment c'est pas vrai? Si tu n'as pas l'argent, la femme peut pas t'aimer. Je suis là pour vous donner un proverbe très sérieux à prendre en considération. Attends d'abord, pour ceux qui ont besoin de coupons sûrs, des coupons à 99% de chance, je vous ai mis en commentaire le groupe Telegram de Chris qui a plus de 7 ans d'expérience. Avec lui, on ne tape pas poteau. Allez-y là-bas et puis gagnez votre argent tranquillement. C'est tous. Toi, vas-y, tu disais quoi pour le proverbe là? Il y a un proverbe qui dit si un arbre tombe dans la forêt, et puis il n'y a personne à côté. Tu vois, si un arbre tombe dans la forêt et puis il n'y a personne à côté, là, on va pas faire de bruit. Tu vois, non? Jean s'est dit quoi? Il n'y a personne, non? Jean s'est dit que peut-être ça va faire bruit, mais il n'y a pas qu'un point de temps, non? Tu vois, Jean. Attends, je suis dans quoi? C'est un peu ça. Bon. Notre loi ici, c'est... Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en fous de toi. C'est dit que la deuxième loi est... Dans la vie, c'est versi versa. Elle, c'est qui? Bébé, c'est qui c'est dans... Non, bébé. J'ai dit, elle, c'est qui, bébé, devant moi. Moi, t'explique, toi, tu t'insignes, il y a des problèmes. Mais vous, c'est qui? La danse, s'il vous plaît. Tonika, sois-moi. Allô, vous voulez parler à Amina? Oui, elle est où même? Tiens, c'est ton chat. Ah, bébé. Oui, chérie, tu vas bien? Ah, bébé. Oh, mon amour, tu m'as manqué, hein? Ma cœur. Attends, ma quoi? Ma cœur. On ne m'avait pas dit. Grimpez, on y va. J'ai fumé en ce moment, même cigarette 25. Je ne pouvais pas. J'étais obligé de suivre quelqu'un. Il a tenu parti, non? Quand il fait. Moi, j'ai derrière, il aspire. Il ne peut pas lui demander. Est-ce que tu as mangé les enfants? Quoi? S'abonnez-vous. C'est tous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aimez. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, alors likez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos.